Hey! Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo les potes, j'espère que vous allez bien. Alors il faut savoir qu'il y a une partie de la Bungie Weekly Update qui est sortie hier soir, vraiment un jour en avance. D'habitude la Bungie Weekly Update sort dans la nuit de jeudi au vendredi, et là Bungie s'est précipité de sortir la première partie hier soir. Pourquoi? Tout simplement parce que la communauté a vraiment tapé du poing sur la table, il y a un gros mécontentement général qui est ressorti suite à l'annonce des différents packs. Donc pour l'extension The Taken King, je m'explique. Il faut savoir qu'il y a deux éditions collector qui seront disponibles, mais dans ces éditions collector, il faudra racheter le jeu complet Destiny, puis le DLC 1 et le DLC 2 pour pouvoir obtenir des exclusivités collector, donc les exclusivités de l'édition collector, c'est-à-dire 3 interactions de classe, donc 3 danses, 3 revêtements d'armure et 3 objets de classe, donc ceinture pour le titan, brassard pour l'arca et la cape bien sûr pour le chasseur. Donc là à l'écran vous voyez la version dématérialisée, sachant que la version matérialisée, donc pour 90 € les deux, hein, chacun d'entre eux, la version matérialisée, vous aurez tous ces goodies en plus à l'intérieur. Donc vraiment la communauté s'est plaint parce que c'est vrai qu'on est nombreux à avoir le jeu, on est nombreux à avoir le DLC 1 et le DLC 2, et voilà, c'est vraiment pas normal qu'on doive racheter donc ces trois choses-là pour avoir des objets collector. Donc vraiment, donc Bungie a décidé de faire un effort, j'ai envie de dire un effort entre guillemets. Bungie donc nous a annoncé qu'il sortirait un pack à part avec donc les 3 nouvelles danses, les 3 nouveaux revêtements d'armure et les 3 nouveaux items de classe exotiques pour un prix de 20 €. C'est-à-dire que vous devrez acheter The Taken King à 40 € et vous devrez dépenser 20 € supplémentaires pour avoir 3 danses, 3 revêtements et 3 items d'armure. Je trouve ce prix de 20 € vraiment exorbitant pour ce genre de choses. Alors attention, 20 € c'est pas le prix définitif, hein. Ils nous ont bien sûr dit que pour l'instant ils pensaient au prix de 20 € que c'était pas un prix définitif, mais je trouve ça vraiment exorbitant, c'est-à-dire que vous allez dépenser 60 € pour ça, et moi je vous dis, je préfère vraiment dépenser 90 € pour avoir en plus tous ces petits objets collector, voilà. Bon, ça c'est pour la première partie de l'information, vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment moi je trouve que 20 € pour avoir 3 danses, 3 revêtements et 3 items d'armure, ça fait vraiment chéro. Sinon, allez, enfin une bonne nouvelle, la VIP Rewards, désolé vraiment mon anglais est bidon, c'est-à-dire que pour les joueurs, attention je parle bien pour les joueurs qui auront au moins un personnage avec level 30 de lumière avant fin août, donc je pense qu'on va être nombreux dans ce cas-là bien évidemment, on aura bien évidemment des récompenses en plus, c'est-à-dire qu'ils vont nous offrir des petites récompenses pour avoir joué la première année à Destiny. Ces récompenses, vous les voyez à l'écran. Donc il y aura ce magnifique titre, hein, avec cette espèce de tête de tigre ou de lynx, avec vraiment ce petit côté tigré, noir et gris, j'aime beaucoup, très joli. Ces revêtements, pareil, alors les revêtements je les trouve sublimes, assez noirs, assez obscurs, vraiment avec ce petit côté tigré. Et le passereau, pareil, noir, alors moi j'aime beaucoup les choses qui sont simples et discrètes, donc le noir franchement, j'y surkiffe, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment, voilà, vraiment par contre sur ce point-là, on peut pas dire que Bungie n'a pas fait un petit effort. C'est vrai pour les anciens joueurs, on va au moins avoir cette petite récompense. N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur toutes ces informations dans les commentaires, j'attends vraiment vos retours, j'ai vraiment hâte de voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss !